C'est côté où m'a cherché défense. Mais samedi, mon Dieu grand maître moi, c'est où même, seul bien moi gagnant. Bon Dieu, c'est Frère Maxime, amis internautes, nous, téléspectateurs, téléspectatrices, c'est toujours un plaisir pour que nous capables de rentrer la caillou pour nous présenter une émission par là qui s'est un petit causé sous la vie Saint-Yon. Jeudi, c'est 27 mai. Qui c'est l'exemple célébré? Et pour que ça l'exemple célébré Saint-Saint, il soit la ville. Pour que ça l'exemple présente nous comme modèle pour que nous capables de suivre Vincent un jour même avec Saint-Saint. Donc c'est ça que nous allons voir ensemble de la vie Saint-Saint. Saint-Saint, c'est Saint-Augustin de Canterbury. Saint-Augustin, nous connaissons bien par rapport avec mission que pape Grégoire le Grand t'a pas voyer l'exercer t'a pas voyer l'y faire. Grégoire le Grand est très intéressé avec la vie Angleterre. Donc habitant Angleterre, yo, les Anglais, les Saxons, t'es très intéressé avec la vie. Yo. Et c'est comme ça les mêmes qui étaient besoin christianiser pays hein, empire ça, royaume ça. Il t'avait le voyer un groupe de moines qui était gagné comme prieur, comme responsable, comme donc autorité dans groupe moine ça yo, le prieur Augustin. Augustin donc évêque de Canterbury, bien entendu. Il dit Augustin que je désire que les angles devinssent des anges. Donc une sorte de jeu de mots pour dire que me désirais pour Angleterre vienne christianiser. Donc, je voulais que les angles, pour aller dans l'Angleterre, devinssent des anges. Donc, il va le voyer, Augustin, donc, avec un groupe de moines, aller en l'autre bas pour qu'il soit capable de christianiser. Et c'est comme ça, donc, Augustin allait en mission, parce qu'il connaît bien entendu que, j'ai pas le bon Dieu à dire, la moisson est abondante, mais les ouvres qui sont peu nombreux. Donc, il connaît que, fuck. Il était mis en mission pour qu'il était capable à le travailler, à le gagner beaucoup d'âmes, à le faire disciple pour Jésus, pour Christ. Là. Et c'est comme ça qu'il est arrivé l'autre bois. Effectivement, c'était bon accueil. Il est arrivé, on converti roi Agrippa facilement. Il n'était pas le gars, on a trois. Roi, ça, c'est Ethelbert. Ethelbert, qu'il était arrivé, eh bien, fait-lui accepter le christianisme, converti. Et au christianisme, mais ça va paraître trop difficile pour lui, ça paraît normal. Normal puisque, mais tu es préparé déjà. Puisque le roi Ethelbert, tu es marié avec Berthe, la fille du roi Franc. Donc, ça va pas paraître trop difficile pour Augustin avec Gouplio, l'autre moigno, qui vient faire que, eh bien, conversion, Ethelbert, tu vas le faire. Plus de 10 000 personnes d'après le baptisé parce que roi Ethelbert n'a pas le baptisé. Plus de 10 000 personnes. Ça va t'apprendre les enfin, faciliter la conversion de tout le pays, de toute l'Angleterre. Et que donc, le christianisme va arriver à imposer le pays de jour en jour. Le fait que enfin, roi, alors, le fait que pape là, était Grégoire le Grand, était intéressé en pile avec Saxon, avec l'Angleterre. Il n'y a pas de jambes qui était Augustin pour compter dans le travail. Là. Il était toujours bas Augustin le bras. Bas des conseils. Ça arrivait quelquefois que Augustin avait faibli parce que peut-être n'était pas de bon caractère très fort qui vient dire que par rapport à quelque soit problème que le tajouen est arrivé, en tout cas cédé. Mais il était fait travail. Ça, il voulait faire, il était fait. C'est fait, tu as besoin d'intervention. Grégoire le Grand, à chaque fois, pour qu'il soit capable de remonter moral et puis il soit capable de travailler, puis bien toujours. Mais ça, il était pour le faire, donc il fait. Et qu'il est arrivé par rapport avec tactique, stratégie. Et, par exemple, c'était moine que le théier. Mettez un monastère, établi un monastère en Angleterre, on met plusieurs monastères. Donc, pour capable aider les gens à vivre la foi, puis bien. Et il était mettez une belle stratégie également, il était modernisé, parce que pas de vouloir.
et saxon yo comme dit font tabula rasa mais fait yo adapter avec les animes le plus que possible pas de courir des païens yo donc fait une sorte de chasse aux sorciers par rapport avec païens yo non yo te prend yo adapter avec le christianisme le plus que possible et pour que donc tout le monde a sorti bénéficiaire donc c'était comme ça donc au c'est après réaliser mission mais tu as réalisé avec cœur avec un peu de bravoure ça veut dire des moments que mission paraît un peu difficile mais j'en remédie lorsque Dieu te donne une mission il pas quitte au bout contre là toujours bon des moyens pour exercer la mission donc Augustin avec tout Plinio avec l'autre moine qui est arrivé comprendre ça et que tu exercé et ça qui peut exercer normalement Albert Abraham Grégoire quand Abraham mourit parle Abraham mourit et puis mission va continuer normalement Abraham mourit dans l'année 604-605 donc pas trop sûr de par contre on source qui est vraiment sûr par rapport avec date que le mourir hein. Mais d'après source que nous galéo c'est entre 604 et 605 mais on dit que travail a été fait et puis en pile monde converti en pile monde et recevoir accueilli Jésus normalement et que Christianisme lui-même vient imposer. Donc on dit bon Dieu merci pour Saint Augustin qui nous a fait mémoire jeudi hein. Saint Augustin évêque de Canterbury qui était un moine qui était évêque mais qui était très un missionnaire très zélé. Nous disons bon Dieu merci pour la grâce que nous avons déposée dans le cœur. Et nous allons terminer justement avec ce que nous avons dû faire avec la prière que nous avons eue dans l'occasion ça pour Saint-Augustin, évêque de Canterbury. Dieu qui répandit la lumière de l'Évangile sur les peuples de l'Angleterre par la prédication de Saint-Augustin de Canterbury permet que ses travaux continuent de porter des fruits dans ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. C'est côté où m'a cherché défense, mais samedi où mon Dieu grand maître moi, c'est où même seul bien moins gagnant.